Bonjour les parents, bonjour les amis de petits mais grands. La vidéo santé est là. Je dédicace ça à un parent que j'aime bien. À tous les amis de petits mais grands, faites ceci d'abord avant d'aller à la médecine générale. Pour votre enfant qui tousse, qui est encombré, ça coule le nez bouché. Prenez du thym, le thym bio. Vous mesurez 2 grammes, 2,5 grammes par kilo. De l'enfant. Vous prenez les feuilles d'eucalyptus bio aussi, 2,5 grammes par le nombre de kilos de l'enfant, que vous laissez bouillir dans 1 litre d'eau. On laisse refroidir un peu tiède et on rajoute du miel, 2 cuillerées de miel dans le bib de l'enfant, dans le verre de l'enfant pour le permettre de boire. Le miel, c'est très bien aussi pour tout ce qui concerne les voies respiratoires. Ça nettoie, ça dégage. Utilisez du miel au lieu d'utiliser le sucre blanc. Le miel, c'est bien pour la santé. Et puis le soir, mettez dans votre diffuseur quelques gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. Quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié. Quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus globulus pour la respiration. Laissez diffuser 30 minutes dans votre chambre, dans votre maison. Le Ravinsara, ça assainit, ça nettoie, ça tue les microbes dans la maison avant de dormir pour continuer le travail, pour vous réveiller en forme pendant ce temps d'hiver chez parents. Et pour vous-même, prenez des clous de girofle souvent. Un peu dans votre boîte, dans votre sac. Les clous de girofle. Un seul grain de clous de girofle dans la bouche. C'est un antiseptique. Tout ce que vous pouvez choper comme microbe pendant ce temps d'hiver, ça nettoie, ça tue. Un grain de clous de girofle dans la bouche de temps en temps, ça vous nettoie. C'est un anti-inflammatoire aussi. C'est bon pour les haleines, pour les dents, pour la digestion. Chez parents, les clous de girofle bio dans votre sac tout le temps pendant ce temps d'hiver pour vous aider à lutter contre ces petits maux désagréables d'hiver où on n'est pas à l'aise, on n'arrive pas à dormir, on mouche tout le temps, on n'est pas à l'aise. Si vous n'aimez pas les clous de girofle, prenez du gingembre. Si vous n'aimez pas le gingembre, prenez les cristaux de menthe. Chez parents. Mais moi, j'utilise les clous de girofle. Je l'ai utilisé et c'est très bien. Pendant ces temps d'hiver, je n'ai pas le nez qui coule. Je ne tousse pas, je ne chope pas les petits microbes d'hiver. La médecine alternative, la médecine douce, c'est très bien pour la santé. Pour éviter les effets secondaires aussi des médicaments. On prend la médecine, on commence par là, la médecine alternative, la médecine douce. Et on va à la médecine générale après, chers parents. Merci pour votre écoute et à bientôt.